Salut à tous et bienvenue sur Point Blank TV, OK, live on the number one set. Nous sommes là, bien sûr, avec la deuxième partie de notre guest, Nick Duff, a.k.a. Killer Guns Out CEO, Nenemoy Coronavirus. Y'all better be on the lookout. You cannot shut me down. Et on va exposer every faggot out there on the number one set. Galsen style, I see Cookie is in the building. Killer is in the building. The serious business. Nous wak wak di, gas bomu khot, yatal, lalbasan, waktan. Lepp lu len jaaxal mi ngi fi ndax jëm jaangi ni mom ci bopam di ngeen ko déggé ci sen di ngeen ko dégg ci game ñam live and direct ça se passe sur Point Blank TV as na nga yeah sante mu ñak maytu di bégué ñep di ziar ñep di re dalalat suñu gan bi donc di yégali deuxième partie bi comme tu l'as dit yeah killer voilà voilà as you voilà cool wa di man wa bégué bégué tout le monde. Comme nous avons fait, nous avons fait la deuxième, troisième partie, quatrième, cinquième. Coucou Fibaye, nous avons fait 20 parties parce qu'il a tellement de choses à dire. C'est vrai, il s'est passé beaucoup de choses. Yeah. Mais bon, content de revenir et continuer l'histoire. Yeah, yeah. Parce que la dernière fois, je pense que Ningi Daniel Onchi, je te disais que Bouni Hall, artiste, il y a un Sénégal, c'est une fille, il y a un peu conflit avec les autres artistes. D'ailleurs évaluer Gisney ce liste Kenton Lawul ak Kenton Lawul ak yow parce que au début dama don wone pata mo fi epp bif mais yow c'est une autre branche donc on a parlé de Mass, on a parlé de Cannabis, on a parlé de Deep et Rosso pour venir on se souvient aussi que à mon temps il y avait un tout petit conflit là au niveau de la Médina avec 5e underground. Yeah, no, lol, musu nek conflit ñoo sama yu gangster lañu man. And I like them both. Yeah. Like Gilly Baghdad and my man Bagne. I like them. I love them. No, ñoo sama yi Gilly lañu. You know, musu ñu am beef, musu am problem. Non, incident bobu xewon mit na. What like what happened? Peut-être bi num tudu. Sen Kumpa don def ay matinée hip hop right. You know, c'était bien ñu dundalat affaire bobu non, et c'était bien, tu vois. Et man dañ ma invite ma ñew pour play. Like a guest, like you know, you show love, show respect. Mais période bobu dafa mon ben bloc bo xamanteni ñu nek dédé 5e underground. Donc ñom man je pense que bo bëggé hip hop da ngay bëgg kep koy def hip hop surtout ku farak say gaay bay and ak ñom quoi, you know. So dama doon gisseni dañuy disrespect yenen gaay yi ñi bokku même si label bi organisé won ñun disrespect ñoñu nonu tu vois buñuy jouer sax da nga gis que ni da doon am ay gaay yeen wax kan gëm ñu leen kër lañu gëm yi tout ça. Et je pense que c'était une même famille lolu xaju fo won quoi even mën nga am kula gënal ce crew mais that's the same family ñoo dajé pour show love. So fofu ay idée yu nice xaju fa quoi. So man bima ñëwé di play aussi j'ai vu que ni gaay ñi amone attitude bobu nonu et man nak peut-être jamu ji nekkon ci bourbe yalla ko yalla yeeram nekkon ci gaay xeyna nekkon ci man quoi. Après man j'ai réagi par rapport à ça parce que j'étais venu donner de l'amour, donner de ma passion, je n'étais pas venu pour me faire manquer de respect, tu vois. Après moi j'ai mal j'ai agi, j'ai réactionné par rapport à ça et puis matin bi djexé aussi on a un peu essayé de régler nos comptes par rapport à une attitude. Après la semaine prochaine, j'ai croisé Gilly université. Donc mu ñew nuyuma ñu waxtaan mu ne désolé pour kérok mu fa taajo xam nga parfois day am ay choses yu xaw yu incontrôlé yo xamni c'est pas souhaitable mais nekul na ñun ñoko bëggé non mais ñu ngi ci djéglu parce que suñ tour la amé quoi mu wax like a gentleman man ko non yoy day am ci hip hop bi ñun ño fa man dam leen like dam leen gëm et puis xamna ñaakul woon aussi froid biñ amone ak basse taw aussi man aw mo nak ben problème ak basse mu ñew ci ay ci taxi birgué tout ça amna une partie de leur public bu ko jël mal quoi alors lolu je pense que c'est pas mais yeuf fi fi sen yoy joté na ak jaaru ku dégo ak jaaru nek xam nga amna problème da ngay xam ni c'est pas dans sa généralité c'est juste ben bloc non la koy dundé donc ñom xamna sûrement non lañ ko dundé pour man ki la dafa jël quand wala dafa li dafa la alors que man xexu ñaari gaay du sama xex tu vois donc kuma ci séxal jamm damay séxal jamm damay kipé wël ak yow so xamna ñakul won nak ben dan bu yenn gaay jappone par rapport mais je pense qu'à partir de ce jour bobu lañu waxtané pour quoi parce que xam gaay je pense que ça a fini par confrontation physique bi amone là ba y avait un blessé avec ouais mais jarul douk say you slice that nigga lepp lañu bëgg xam non mais did you slice him non xam nga période bobu mom pour te dire la vérité yalla dafa def ko ni nit aussi nit rek la quoi you know right te man nak ba the time damay calm down bu baax you know ba tax na amna yu bari yu jall yo xam seen duma am fierté diko ki donc biñu guéné non ci buntu bi dama yoron ben sabre ki samouraï yoy non sama gaay ma yoron aussi ñom xam nga comme xam nañ life mbédé la ñom dañuy tarax la quoi buñu strapped up wow
Donc biñu gëné mu am ben boy j'étais chaud quoi sam boy ben boy bi raise dafa pompon gaz fof non donc sam body gisul sax lu bari quoi boy bi ñew di freestyle ci ni may dem ak sama auto ni rek mu ñew di tek xam nga fi gal sen gëm ñu ñom 50 cent indi bling bling automatiquement bayumako mu agal quoi ni mi freestyle non rek après mu arrêté ko rek ak ki mo yoron ma radi actioner xam nga affaire bi lal loxo bi quoi you know te boy bi mom da ron wax kan ni you know gëmuñu ñom 50 cent ñu am nañ ñom lead off ci mbéd bi et tout ça you know so fofu la doon yexi fofu la doon jëm parce que boy bi à la base mom ku bëgg ki la ba ko ñum xam ko ben boy bu bëgg ki la you know so comme ñi ngi nekkon ci action bi nak man j'ai pas cherché you know parfois même yu arrivé ay accident lay doon si tangor bi mo fekk man mënu mo won xam pour man kuy ñew dima défier la quoi après bima xamé ni gañna ko ma jël ko yobbu ko hospice ci night bi après ñu fay fray ñu faj ko après ma yëkëti mo ni jox ko après nak ñun mu né dañuy déllu fi affaire bi amone pour continuer suñu affaire après si la dajé lak bourba ndaysan mu téy ñu ci yoon bi di expliquer bu len déllu fofu day gëna empirer wu li seytane la mom mo ñu téy quoi parce que ñu wonété show ci naay bi non donc muy wax après ñu défaat demi tour dem ñibi quoi et boy bobu par la suite aussi la am ak mom relation ñu xamanté ma regretté quoi parce que budul dara aussi kuma don bégué le ba wa ay wa kër ay mère sax xamon nañ quoi xamon nañ ki dafa like ki so accident la bu malheureux quoi so lool motax aussi man depuis temps yépp damay préférer sumay génn you know damay jëma oyofal sam bop quoi parce que seitan dafa bari doole humbleness all right humbleness fata Fata, c'était Fata, il n'y a jamais eu une confrontation physique pour être sur cette émission. Pour vous, c'était pas une confrontation. That was on some real gangster shit. This nigga pull up on my show on some real gangster shit. Non, vite fait. Ça dit, je vais vous raconter l'histoire. Non, like, permets-moi, quoi, s'il te plaît. Like. J'ai fait une émission quand j'étais sur Top FM, c'était un lundi. Y'a une idée. Ma amone sam ben auditrice bu ma laj ne ma dafa bëggo déglu numu traité le Don Hate de Nix Fata ak Nubian Madi manako Don Hate instant ni gaay man gaay jotu ñuma ko envoyer té nekkul ci playlist bi fi quoi xam nga raga dum dum mo fi nek mu ne ma ok raga dum dum alors ma tek raga dum dum dédié koko rek message yi commencé taw Why di non xam nga émission real hip hop la quoi ay raga dum dum xaju ñu bi gaay ñaxtu ko deugantan quoi ci saasi ma ngi doon waxtaan ak Nubian manako yow like what's going on like comment se fait-il que gaay yeb xam di hate ni quoi ya trop de hate est-ce que lolu motax ngeen def son wu don hate mu na ma tour lolu c'est déjà un te deuxièmement bo bëggé ñu wax ci lolu invité ñew radio ñu ñew wax ak gaay man leen ok ma woon exactement après ci la leen wo ñom Mo Fata wo killer après ki Assofullah mo wo Nubian après j'ai essayé d'appeler Nix munema mom il pense pas qu'il sera dispo da fa wara dem aéroport dem jeudi soir munako OK d'accord il y a pas de souci légui les deux autres sont venus ben ñeké def émission bi jéki saway dafa pull up So I pull up exit to souf like on some real gangster shit like the whole squad guns out ñep ci souf def sen bombe wow après mu ñew visuel bi ñew yek ci kaw nema ya nit dof ke en bas mané ah bon ma ñew ma gaay ñi ngi won ci émission bi quoi bama len di wax ma len les gars ya nit dof ke en bas xam nga soit ñu yégal ko mu bok ci émission bi wala ñu xaar bam paré bamay wax lolu xawmo ni micro bi c'était ouvert affaire bi jall auditeur yi deg ko nak rek message yi non na ñew ma wax ak fata fata ne ma non xam nga c'est mieux que ñun ñu terminer après bu ñeu def émission quoi ma texte son instant yi pour le temps d'intervenir saway jog fata il est allé dans les toilettes dem so yi bamuy delu ci ndekete bamuy dem sécurité le oyo ya waxal li fata mais attends man dama I'll keep it real Non, I'll keep it real. Tu débarques à la radio, il a raison même. Comprends, I'll keep it real. I'll keep it real. No disrespect, Fata ma nègre, Jarnavi. Like, no disrespect, I'm just telling it like it is. Savaye, bon, mon nyewe, mou, ki. D'ailleurs, par l'émission, quand je suis descendu, je vois Lamine. God, Barry. Mané, quoi, mais yo, l'autre, de moi, non, gana, moi, quoi. Kham, gana, bon, voilà, quoi. Mouké, Savaye, nèma, yo, why, ding?
what's up Wesley? Non, émission da xam nga bégué quoi real shit mais dafa am ay bitches nigga yo xamantene amuñu pour ñew ci émission bi anañu sax dama ñu xol da amnañu fitu wone secteur mo nga yow ki la calm down man what's going on mu ne ma non rek soyé simi jaj bi yere gën gaay yi genn ci auto bi ratatati ratatata vite fait xam nga lamine escorter nouvelle fata gaay yi dem 22h lamay sen ñew def bañ la invité gat man ko lamay sen hands down no disrespect lamay sen par le bobu nonu man j'ai dit à lamay sen man ko franchement li nga def ni je suis pas content tu sais pourquoi parce que une semaine avant jour bobu nonu djelon na la émission quand il vient il t'ouvre le micro comme ça xam nga pour que ben 10 minutes xam nga wax ci ñele xam nga d'une façon vraiment moy lolu après nga dem c'est pour vraiment xam nga appuyer ci histoire bi quoi et en tant qu'animateur il se devait de modérer comme man nima wacce d'essayer de discuter avec toi affaire bobu nonu like what was the process? C'était quoi l'engouement bi le pouce ba nga ñëw de xam ba il faut nga ñëw confronter len quoi. Ak lu tax nga bay sa kër ñëw. Man, come on. Man fu man life bi lepp ay état d'esprit la ay tonway la. I'm telling you man, I was like peut-être bobu nonu lool la doon dund quoi pour te dire la vérité. That was straight activity. You know, like bo amé loy wax. Don't nek rek toujours man musul nek toujours ci micro ak studio pour man straight is straight mbedd mbedd la comprendre nga il y a toujours eu aussi après le micro une vie dans la rue comprendre nga et man pour man aussi sama état d'esprit période bobu non lool la won moy when you have something to say da ngay dem gis nit ki eyes to eyes ngeen wax lu ngeen di wax so boko feel wa rebe lu monta don so man la feel don bi may ñew fofu dama tok deglu gaay mais dama amone xam nga gaay non raga dum dum reggae dum dum mu tuddu raga dum dum just asking you bro reggae dum dum so respect to Nix man my man this guy is crazy MC crazy lyrics I like this man you know so dañu xawon am ben genre mépris ci rap gal sen ben waxine bu tegine wul ben disrespecté ñom you know xam nañ len quoi ce période bobu non aussi liñ doon tek dafa disrespectful par rapport ak gaay nek ci mbéd bi di jema represent man ma ñu déglu émission bi ñu doon nek di clash album gaay album amu fi ay li lu ne wax nañ ko quoi moi j'étais à l'écoute comprendre nga ñëwuma rek né damay dégg ay nit j'ai entendu non seulement nek ñu won di wax wolof mais en anglais lañ doon wax mais d'une manière à montrer que ni rap gal sen du rap ñom tukki nañ xam nañ xew fi c'était mauvais c'est pas des qualités ay mixtape la ay tadadi ay tadada comprendre man bima ñëw lool la leen wax stop disrespecting man bima ñëw lool la leen wax you know non il y a eu une parenthèse bañ doon waxé lolu mais xam nga toute l'émission n'était pas non man perso amna yo xam nga duma ko sétan dama je suis d'accord avec toi yow bo invité nit da ngay poser des questions tu poses le débat t'es pas là pour juger mais ñom la leur par rapport arrogance ak mépris buñ doon démé pour ñom ñom ñoo sét ñom ñoo clean rabu rappeuru mbéd yi gaay représente pour réel dañu deuri dañu you know mépris bobu non il fallait nak soit ñu bayi leen gën continuer ci radio yi di wër diko wax wala ci télé yi wala ñu stop leen wala ñu wol leen que ni après le micro y a une vie beaucoup de gens pensent que ni aussi ben rêve la ben monde bo xam tu peux tout te permettre tout dire mais la rue ça ne se passe pas comme ça comprendre nga donc ñun ñu dem bu ñu démé c'était juste pour nous expliquer parce que bu ñu ñëwé aussi dañu ñëw rek garé gaane bi sip que ñun ñëw fa mu wax leen ko après ci la gaane bi commencé di lak ay patois lu ñu dugg ci xam nga ni bu tité bëgg extérioriser affaire pour wone titre you know so shit so loloy deal bi biñu ñëw dañu expliquer like man to man ñu wax you know ba légui ni loxo jogul comme niñ ko waxé ablaye bi wona ay bodyguard ñu ñew gaay aussi bi ñew they was respectful amul ci kenn ku disrespect non lamine mom franchement xam nga il a voilà dafa jël tan ja non kill come on maturité bo xamantene sama auto ci volant bi dama ndoron genn mais gaay bu mu ñew team volant bi bunte bi man gisatuma aduna yow ben gaay gaay I was like that body like wala mais dafa tek fi ben loxo bi nan mo no kill wuy mo come on man ko de toute façon mu bëggon def dara mu ñu ko mais that was like that was hip hop that was straight books qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il quitte Guns out non bon en fait books comme nous avons commencé à mettre l'histoire, pour nous produire quoi.
Après, il y a eu un petit retard. Il y a eu des retards par rapport à la disponibilité de Mao, des retards par rapport à des petits trucs. L'album, il y avait trop de sons joués qui sont dans l'album qui devaient attendre. Il y avait trop de communication. C'était hasardeux. Dire que l'album était prêt, il reste que Gunbar alors que l'album n'était pas encore prêt. Il y a eu trop de petites choses. Nous prêter un peu à l'incompréhension. De fait, Japonais s'est fait exprès par Gunzao. Non, même pas. Peut-être des amis une sorte yo xamni MC day bëgg genn quoi. Même si day bëgg aussi son public. C'est vrai que togon na 5 ans genné wulon dara juste avec 3 singles cassé le don des plateaux yi quoi. Exactement, tu vois. Après du coup peut-être bi muy wax ni album bi paré na man côté artiste d'autre moko la Gunzao mo ci dess. Nous, ça nous a un peu frustré parce qu'on savait que c'était pas le cas. On savait que amna yu dess ci album yu ñu wara def amna yo xam seeni bi album bi genn période bobu sax lañ finir yu bari bari quoi, comprendre nga. Mais bon, après nous on respecte ces books, c'est mon gars, c'est mon frérot. On pourra pas dire des choses bizarres, donc dañ dan nopi rek buñ déggé ben communication bu xaw frustrante et tout. Nous dund ko ci pet, après ñu on avance ensemble. Il y avait une période bo xam seeni réellement Mao il était indisponible et ça c'est la faute de Gunzao. Mais est-ce que tu lui en as parlé personnellement? Non, on gérait le truc parce que avec books il y a trop de respect. Nous avons des communications avec des choses compliquées. Même quand on parle de business, des choses compliquées parce qu'il y a trop de respect. Parce que l'indigital, du money, du succès, du dara, you know, that was like. C'était l'idée de bien faire quoi. L'idée de bien faire depuis Bourbon, même quand on a eu et on s'était juré de le faire. Après, même les aléas de la vie, il y avait Ti, il y avait ça, il y avait Mao qui n'était pas trop disponible, qui avait des choses à faire. Après, on devait attendre, nous devions faire un temps, mon bar et tout. Il y a eu trop ça. Au final, il y a eu l'album, après, il y a eu un bon box. Nekul won un artiste de Gunzao. C'était un album de Gunzao qui produit. Après, buñ paré ci album bi soit dañ doon waxtan continuer ben deuxième album wala ñu baye Brooks mu firi def li mu bëgg def quoi. Après bi album bi génné ñu dem avancer touti xamna na aussi bon il y a eu trop de frustration par rapport à tout ça. Il y a eu un c'était calme. Difficile de reprendre contact quoi ça voilà, il y a eu un calme, il y a eu tout ça. Après ku nekk jëma jël tout un peu de recul. Après on s'est appelé ñu waxtan. Il y a jamais eu de problème franchement, il y a jamais eu de problème avec Brooks. OK. Gis nañu tamit autant djégué won nga ko xamantene yeen ñaar yépp yeen nékkone won kaw moy Checky Blaze. Et à un certain moment donné, on sentait carrément une distance entre vous deux. Non, il n'y a pas. Like what happened. Oui, c'est juste que mon ami en Paris, ma mère en fille, il n'y a pas eu trop de contact, mais il n'y a pas eu d'histoire. Et on est toujours en phase. Peut-être que nous avons un moment où ni le fait que nous sortons de Gisante, il n'y a rien eu du tout. Puis aussi. Même quand on était à un bon instant, bon, il y a eu un malentendu entre vous deux. Parfois, il y a des trucs qui ont des égos qui ont des malheurs. Right. Qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des froid. Mais il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui ont des affaires qui ont des problèmes. Il n'y a jamais eu ça. Comprendre. Okay. Après, il y a eu un froid, un calme, une histoire d'ego, un calme. On est passé à autre chose. Même quand on était à Paris, on ne se fréquentait pas avec Checky. C'est très rare parfois aussi dans la même ville nous am studio ñu dajé mais on se respecte quoi buñu waré and dem ciobi fenn di ñand dem ciobi mais man j'avais mon cercle d'amis et ma vie lui aussi il avait son cercle d'amis et sa vie mais on n'a jamais eu genre comme on a ben son nice pour ngén defon avec Dread Schizo nous tout de tout ça ak wa Dread Schizo yow mom ak Dread c'était nous ouais faté na titre son bi son nice na defo tere di yeah that's right ma la gis nañ ni tamit quand tu as sorti Nomo Touretti Dom Model bobu légui après on a vu un artiste melni Is xam qui s'en prenait vraiment à toi waaw bobu légui xam nga déggu ñu xam nga confronté ko ci lu nga wax ci dara like what's going on you didn't clap back no parce que pour moi lolu comme mom ñu ko waxé ap pic le bu sani je pense que that was stupid like to say lu wax lolu non parce que bobu ki clash nit ki aussi. Sometimes gars dañuy def pour man ay erreur yo xamni jarou c'est un gars bo xamanteni ni minante won xamanté wuñ bu wesso ben yoon lañu mbeukanté xawma de et mu wax mo bëgg na nga tek sama bid yi une fois tété cabana club man ko yeah why not you know mu chill quoi. Après pour man ci son deep dundu gis bëggé clash nit dof carnaval whatever nako baye son bu ñew def ko comprendre nga ci son deep dundu gis mu wala featuring son clash nga appo nit de fa carnaval c'est des choses yo xam mënon na ñak parce que nul n'est intouchable right ñun nul n'est intouchable ku ne mën nga clash avec raison ou pas raison mais je pense que mënon na ñak d'autant plus que ni yim wax ça n'a pas trop de sens quoi tu vois ce que je veux dire c'est la musique aussi
tout le monde veut aussi le monde voir non you know même quand ils quoi you know auto-tune et tout ça c'est des trucs de musique même si nous on a abusé mais bon on n'a pas de problème avec ça tu comprends bon de toute façon artistiquement à un certain moment donné il faut évoluer avec le bah temps, oui avec le temps avec ce qui se fait tu vois moi nous moi tout le monde clash bon c'était une pique pour voir les amis voir dans les disrespect gratos et matin non réclamons quoi tu vois non lolo amour bonne explication ça dit que ni je prends la peine de vous disrespect parce que qui m'a wo ci son bi il est en froid avec yene te xeyna mom bugu ko def man devient ci son bon ci album mom ma disrespect len yow ak bass c'est comme si genre dip de combo bo quoi mom pour mou wala mou la ko expliquer la am baye mou expliquer lou mou xexal ko xexal c'était la énième fois lolou mo lay won que ni dip peut-être moi lu mo la fi wax la dernière fois il avait des comptes à régler d'une manière ou d'une autre il avait un froid bugu xam sey c'est inexpliqué envers ni dofe cannabis. Donc du coup moi tax mu meuna permettre si son mom mu woné ko ñu disrespect ñu quoi comprendre okay. C'était son yu mu def ni disrespect du lu bess daf ko def defat ko et tout ça tu vois te période bobu nonu c'était pas justifié pourquoi yow ça son clash album bobu nonu ak tu peux faire un album nit dafa fait ses albums cannabis a fait ses albums pourquoi nga bëgg indi ben son pour ñu disrespect nit dafa cannabis amul won sens mais cela juste justifie le fait que c'est pas ça date pas maintenant cette dent là et cette rancœur okay. Donc du coup Ismo ñeu def le truc et je trouve ça dommage man après je me suis dit que ah Is il y a pas de souci j'ai aucun problème avec lui clash na ma donc clash ça ne me bénéfique ça ne me le pique mais l'homme diapom ko quoi buñu def show off d'ailleurs dam ko invite wax sama gars invite len ko man mom ma show off d'ailleurs invite len Is mu ñeu na ñeu play. You know, so après il a dit non, nama borom artiste bi wo ci bopam di xamna ni khalatone na kan yawe ni des bizarre derrière et tout alors que pour moi il y a pas de souci avec Is, je partageais ses vidéos, je faisais tout, j'ai tout fait quoi pour one kani whatever ça ni comme pic lolu si hip hop le boko à son numéro pro et je n'ai aucun problème avec toi. Ce que tu as dit, tu m'as pas manqué de respect, genre t'as pas parlé de ma mère ni de mes gosses, t'as juste dit un truc hip hop non do gangster. If I'm not gangster, nañ dem mal ak yow ci mbéd bi ku nek woné life ku nek woné fu jaar jaar hood for hood you know bu boba yoy mo ngi ko justifier quoi mais comme son ko wax ni de manière gratuite je ne t'en veux pas après j'ai continué à le partager à parler bien de lui parce que lolu la gëm suma gëm lolu dum ko wax mais j'ai vu que ni depuis mu def le truc là da fa continuer ci affaire bobu non c'est comme si je dis ah oui j'ai resté là bas quoi donc voilà je ferai aucun pas jam sini dof ne serait-ce que vraiment faire est-ce que moi je montre un truc de grand frère comme quoi ben qui dal grave je mets des vidéos je t'invite si tu veux ñu am ben relation tu continues à partager des vidéos ah jusqu'à que nak ma gis né ki xeyna bëggul lolu mu am après je lay do keep sama self ci mom mais depuis bobu amuñu ben beef wala ben problème quoi qui la celeste vu goudou de way di eto demal B-boy. Gis nañ fi def na fi ben vidéo kérok biba éliminé il s'acharne vraiment sur toi like est-ce que avant lolu qu'est-ce qui s'est passé entre like c'est que B-boy clone la xam nga clone non dañuy waxtan come on bro B-boy is a clown man come this on, guy bro. Is just a clown ouruma sax wax ci mom c'est-à-dire que ni dafa am ay dañ ko wara interné dafa am ay problème bop c'est-à-dire B-boy son propre ennemi c'est lui-même. C'est-à-dire que ni mënul dund ak société bi dafa bagn c'est-à-dire que ni xel bi mo am problème avec sa mère avec des trucs privés quoi tu vois avec le hip hop tu comprends B-boy a toujours pensé que ni hip hop moy nga traduire ay texte tek ben affaire de MRV lolu ñeneen ñi ko fi doon def ñeneen ñi nekkon di def ñi ngi percer dem ku ci nek bo joggé fi yaangi yek ay échelon B-boy fan nga koy deg ci géri parce que dafa teju ci affaire am bobu nonu et il dit tellement de bêtises que B-boy mënul yag fenn mënul yag kenn donc s'il vient s'en prendre à moi de manière garde, c'était pas la première fois. B-boy, du coup, le gars est képé. Après culture urbaine, il a un rôle pour Barry Moïse jouer. Moi aussi, je veux le gagner ou le dara. Mais moi, je sais que je sais. Si je veux dire que c'est une vidéo, je sais ce qui se passe. Tu sais qu'il y a une rancune qui est dans le corps. Je sais qu'il y a une occasion à l'écart. Mais pareil, sans suceur, il voulait juste se faire remarquer par ben fou malade comme Fayoul Nal ou ben Matador comme ça mour relancer un peu ses prestations mais il est nul personne même il a annoncé qu'il a abandonné des fois nul kenn duko wotul mu jaaré fofu di abandonné mais bu sa ñu woon I'm telling you xamna ñu xamna bi boy public tv dañuy tey non mais c'est la vérité bi boy xam nga bi boy bu ñëwé def vidéo man perso das man nèg manam jamm sékk na ko mom dañuy waxtaan ci lu bari et tout mais quand j'ai vu la vidéo honnêtement duma neub dama ko wo manaka yo bro what's going on. He can be right,
he can be wrong. Ma wax ko karama nit bu la amale en buy wax day dem ba djoum dotul and ak sago tane nim wax ci nit dof yeb tu sens que def fi li li mu def man sax bima bolé mom mako da xarab te le gars il xam nga fi wax il a mais xam nga kuy wax objectivement pour critiquer la tu dis que ne ki gënoko epo ko xel epelé woko ci live non mën la le critiquer mais ki la bañ ñom né pour dama ki xaaral mais demal nga xol les commentaires parce que le gars déjà à la base nit ñi xam nañ que il a pas il sait pas ce qui se passe. Il a tout mélangé, il a parlé de Yana Mar, il a parlé de Khomalan, alors que nous, ce qu'on a dit, c'est tout ce qu'on a dit, c'est beaucoup. Donc ça veut dire que le gars, il est juste venu, il a une occasion, il a sauté dessus, mon peut attendre madame. Dire de manière mortale, gay, l'homme qui se contredit de une fille, il a fait un bon speech, il a préparé, et il pensait qu'il détenait un truc, beaucoup de gens qui ont été mais il s'est ridiculisé, il a dit qu'il est un haineux qui parle. Il ne pouvait pas avoir raison. Comment? Parce que moi, dans sa déclaration, il a en gros c'était genre le fait que ce vidéo disait que ni dem palais beaucoup de lois appellent palais mais c'est juste pour dire que bon c'est des gars qui sont allés et que c'est quoi ñom lan moy c'est une légitimité pour dem oui du président au nom de la il a parlé de Yana Mar et nous on parlait pas de Yana Mar lolu mo tej wax di ça dit que ni xamul sax lu xew il sait même pas ce qui se passe il a parlé de Yana Mar lim fi def ni keur keur Yana Mar dama lay ni sax défendre fuñ nekul ak fuñ yegul bu len nit dalé sax damay inbox nit pour wax la doxalel na si yarama donc lui quand il parlait il savait même pas ce qui se passe moy lim lo wax c'est un gars il a tellement fait des bêtises comme ça bimi nek animateur non il a jamais été soi-disant animateur jamono bim koy def il a tellement dit de bêtises non b-boy xamna mon xamna he's good he's wack man ta xamna ko motax instant bi ni a moins que jabaram ubi radio wala kenn ko yeuram kenn faale wuko munul def sax émission xamul tous fum dem ñu dakh ko sonk bu bëgge wëlbeuti ko un gars bo xamni ci mel bi mu nek au moins respecté nañ ko parce que def na temps et temps mom on peut pas en dire autant de limite ci animation amna jaayam fi nek lu ñoon ñepp tay ñi ngi bëss di dox bi mais mom nit sa xol bu boné nga soxor da ngay gañ sa bop moy lu mu la wax le gars da fay gañ bopam parce que xol bi mo ñuul. Donc il a besoin d'églou Al-Khouran. Pourtant il a accompli des choses qu'il a. Même si fait que les gars ils ne mesurent pas ses accomplissements à un certain niveau. Bon là, dans son à moi je sens pas. Moi je n'ai pas fait B-Boy. Moi pour te dire la vérité, B-Boy, moi j'ai fait que Nidof. B-Boy il a pris son temps pour salir Nidof. Non, bon sens là. Well, he got his own reason. Bon, on avance. Ok. Homemaker, what was the problem? Parce que Jokka Ligay avec Mom. Tu as fait une publication. J'enchaîne ça déjà les trois parce qu'il y avait lui, il y avait Khapis et il y avait Tal et Vibe Radio. Vibe Radio acteur. Wow, he was like, fuck them niggas. Yeah, man, that's the way I do. That was then, well, that was still, it's still like, fuck them niggas. No, that was, Khapis? No, it's not still. That was then? That was like, Vibe Radio. That was not. C'était avant. I still say, Khoumega. Fuck Khoumega. Or nañu sax mané no come down nañ bayamu jallo yo come on man waxna nañ bayamu jallo like you know xolal bi affaire bi amé ba am wax nañ laaj ma ci buguma ci sori a sey nañ bayamu jallo mais il m'a bloqué mais il a continué à dire des conneries sur man who I'm not going to talk about shit behind you you know me I know you to all of my life goes on. Nah, life goes on. Who is a bitch? I want to talk about that guy. Bon, boy, lu mu wax rek, gis nga? Ku buma tege won sama tank, c'est parce que dama ni grawul quoi. Comprends nga? Ku dem ci internet di ma fenal, di wax des choses yo xamanteni ni. Ku dafa ñew suma galé. Expliquer ma affaire yo grave, des choses très graves. Sur quelqu'un, sur la franc-maçonnerie, sur nakala ñu initier un tel, lan moy symbole, lan mo waral un tel, wax ma des choses très graves. Ma dégg lool nonu et ça m'avait vraiment fait wow, you know, d'avoir choqué quoi, parce que il m'a donné des preuves et des détails. Affaire bi choqué mom, damn. Come on boy, munuma am telling you. Ñu waxtaan ci lool non. Ñu waxtaan ci. Il m'a donné des détails. Après lolu jalla. Ñu waxtaan ci live. Ñu continuer wax ci des trucs très personnels. So mako expliquer sama live, sama jaar, mes déceptions et tout ça. Ak
le respect que j'ai de mon père, ak l'estime que j'ai mon père, ak mon père à quel point la nek gor, la nek gor yalla par rapport ni doxale ak man. You know, quand je parle de mon père, sama xol day djuk, may wax ci sama papa et ça m'a touché may joy comme xalé ci kanam. Comprends? Donc je parlais de ma vie, de début bi, de digue bi, de fuma toll ak sama papa, ak sama life, ak yene déception yu ma am. Que ça soit de manière amicale, familiale et tout. On a parlé de ça. Comprends? Mu wax mo aussi son expérience, son père, ça le dit tarada. Tu vois, moi j'étais en larmes, mom momo don defal. Comprends? Khou da di dem ñepp. Ag kërëm tok rek ooma. Nema boy, I'm still crying man, I'm still in tears. You touch me boy. Xaw mu won ni nga mel, yow di nga yobbu nit yu bari safara. Kula jégué wul mënul xam nan nga mel. Man ko yeah, I was just keeping real with you. Wax la. Man la, you know. Mu wax lolu ci man, ñu garé link bobu non. Ñu dem bam yag mo gis xoo ci ben affaire muy wax, muy dugg muy expliquer. Ma gis ko muy wax ak nanen nu muy waxe, ma o ko inbox ne ko xoo est ce que yow acteur cinéma nga wala lan nga manako di moi lan nga billahi wallahi tallahi manako wax ma lan nga pour de vrai est ce que acteur nga pour de vrai dans la vraie vie. Comment tu peux changer de masque et de visage de cette manière expliquer et de tenir un discours bo pare wolbatiko ma gis ci pench bi nga am benen discours bu opposé de nangam sangam par rapport ak li nga ma waxone ak li nga xam nga fumé reste moy sauter du vie au yang j'ai fait la part des choses parce que may xalat ni artiste par rapport ak vie privée manako come on it's all about music gennu music bi waxuñu vie privée kan moy teud kan mo tak kan on parle de music da li nga don wax ci music la teunku comment nga ñu wax ci affaire bobu non munima ta bima koy wax I was like ak samay cadeau quoi mun mo dam la respecter duma waxe ci al bi nga waxe mais li la expliquer manako man comprendre tout ma le frère man ko da nga mujjé lendam samay bal ñu wax ci lolu non kër dem ni kër mo expliquer ma am luma xam ci mom dat né yow ni nga mel bu fogné non la ñëpp mel xeyna mom double jeu yomb nako quoi moy play li dem wax li wëlbeuti lé mën na du won ni kër ma bayé ko mu play lolu ma xamé ko nonu nak daal di xam ki légui ban relation la mëna am ak mom ma continue dundul ak limay dund ak mom nonu bayé ko ci biir ñu continuer dem ñen continuer ci déganté ci jam quand même continuer buñu amé liñ wax wax ko bu amé sans moy déglu ma kërëp affaire yi dem non comprendre mais so gissé ma waxé nonu par rapport ak xoo dafa am période bo xamanteni dama gis ay sortem ay waxam ay vision ay kërëp par rapport ak xoo bi nga giss ak bi nga togal na sa kër OK comprendre fu wéré ça té li tax période bobu ma bolé won ci xapis sama gala on s'est dit jajeuf parce que jamono bima lay calm down le wone muy mom muy filmmaker filmmaker mo continue après di dem di muy dund mais mom xapis bi ñu waxtané di ñu jall ci lén tu vois mais dama nan gis nit dafa mëne dal ben mise à mort dafa amone par rapport ak nit dox comprendre c'était l'homme avant et il fallait que je me défende parce que vibe radio on a fait la paix je veux pas trop parler de cette histoire pour moi ça dit que waxat parce que ñom après amna de une source bu mo wax kané qui donne def yoy c'est une personne qui a une dent contre toi bo xamni gaay yegu ñuko won sax mais ça engage cette responsabilité quoi qu'il en soit mais il y a eu des explications entre ay médias ou am xel ñu déggol quoi comprendre vous faire avec vibe radio ou avec tal spécifiquement. Non, avec Tal, il y a eu ce qu'il y a eu. Tal, on a parlé après, il m'a appelé, on a parlé, mais Wakna, ce que je lui reproche. Ok. Et c'était quoi? Non, peut-être que je me suis dit que parce que Wakna, c'est sur Facebook. Mais Wakna, je lui ai dit que et ma bolé lolou nono ak limay gis ci sen ci page waye dire ak nangam ak sangam soit il fallait ma top def victime wala ma def hypocrite di wax sen ginaaw wala ma wax na ma réagir comprendre nga fi waxe kon mom mu jëwul porter plainte. Oh, I don't know, you know, parce que plainte bobu mu ci non suma dina dafa na ni porter plainte mais suma sañon daf may porter plainte non xam nga nit bu gën xassu bam jamm sax do bëgg ngeen delu wat ci ay détails comme on a eu la paix
beaucoup de gens qui ont mais très sincèrement. Et l'homme a tal d'une plainte. L'homme a tal d'une plainte, c'est ma plainte. Il faut savoir. Hein? Bah non, moi j'ai pas peur de ça. Il y a là-bas. Doro, comme ça, moi, non, non, non. Moi, je suis mon saga. Je suis mon saga. Donc, tu continues. Donc, il y a eu ce truc-là avec, avec Vibe. Rapis, xam nga ñaari goor yalla bu ngeen waxtane kenn na la dama joom tamu sincère ci mom bi may def li li ak li la jappone suñ ma expliquer won li duma xamé nangam ak sangam lolou dama ko xamone ba nopi dat koy togalé ba jour bi may deug Rapis mu am yim wax par rapport ak yim ma wax mani donc ce gars il peut se permettre de me dire ça en privé comprends nga non en public et tout ba nopi. Parce que période bobu non moy luma wax je pense que j'avais trop baissé ma garde Rapis mënon na jël positionnement yi ak wax yi ak suspicion yi ak affaire yi mu wax ko right ba paré ma gissat ko ci benen sortie mu amat benen face bo xamné xamna ka ni ki du li le gëm quoi comprendre que faire reste donc ma bolé yoy yep mané come on donc yow gaay mën nañ war nañ la mën d'après respect bi amone ak yow li nga jëm accomplish ak li ak li mën nañ le xey du jour au lendemain salir la publiquement mais pour telle raison ou x raison tu les vois faire ay affaire de parce que ñu ngi calculer ay affaire de. Donc mané ah ok donc yow lay nek la victime dans tout ça yow lay nek l'homme qu'on peut suit légui maintenant té devenu l'homme bi nga xamné mo ñu ko suut légui ici parce que amna ño xamné ci fokk ñu doxal ak ñom ni parce que ni jamono doxé gi dem non ma def sama analyse mané come on defend yourself comment faire ma génn wax lu may wax et xapi ci ñu waxtané musuma ko génné sax wax ko ni public mais ci privé lañ ko waxtané mu xam yu bari mu am aussi la modestie de comprendre les histoires da di gis que ni ci tel et tel et tel et tel dafa joomu bu ko xamé won du ko waxé nangam ak sangam comprend tu est-ce que mais nit goor yalla bo xamné ragalu la goor la comme yow su d'accordé né dafa joom wax la ko ba nga dégg ko la ngay def da ngay baye mu sédé da ngay baye bien sûr parce que Rapis dama baye mu sédé parce que dafa joom nangou né dafa joom ni baye mu sédé xoumé que lu taxone lu tax ba légui ni Julien veut bi affaire bi da bloqué sur Facebook. Ouais, y a gagné acte yoy non mais man ko defé sino ko defé non ak Instagram yoy arogi bo de you know pour mais bu féké kan yoy amna ciow djibo mais nak que mou continuer di wax ci man wala di contrer sama business wala di sanni ay pic yu djem ci man ça je ne lui permet pas maintenant il se pense il se croit intouchable khoumay ga ba taxna légui il se permet lu ko neex ak lu ko neexul lum ko sentiré ci man ciow djibo Point Blank TV killers in the building cooking what's popping alors Mr. Non on a un dernier MC Mo après on passe à autre chose what happened with MC Mo MC Mo après ça amna luma le bëgg laaj vas-y MC Mo il y a pas eu grand chose en fait parce que avant xamanté wuñ won man xamone nako xamnon na xini peut-être amna ay yene raison yu tax mom fi du mom mais man awmon problème ak mom du coup même sama show de BG dit qu'on l'invite mais il n'était pas disponible donc ça veut dire que j'ai aucun problème avec lui sincèrement parlé musicalement xamna que il est très fort je l'apprécie donc après par rapport à que y a une publication qui est de moi j'ai eu un échange beau virulent avec moi pour disrespectful like man ak mom quoi like mom moko jox makoy dano et après on s'est parlé par inbox donc, c'était une continuité bi demé inbox c'était une façon de continuer les hostilités ah ouais ça hostile wow. Okay. Après wow. Après mu am ben wax moy indi wax ñu dal jamm on s'est expliqué donc je sais que ni parfois nit da nay tok rek def ay préjugés def une certaine image de toi rek signé alors que bo len waxtané dina comprendre que il y a pas tout ça man luma neex ci nit moy ay nit da ngayen wara wax quoi même su ngeen dé commencer par l'agressivité après ngeen finir par la douceur et le respect mais bo len ko téyé haine bi day continuer légui man ak mom dañu waxtaan au début c'était très virulent c'était très insolent et ça nous a saoulé de nous parler comme ça on s'est calmé il m'a écouté je l'ai écouté j'ai parlé on a commencé à parler de manière très raisonnable
muy déglu sama ay détails may déglu ay détails ñu waxtaan bu après on s'est serré la la main on s'est dit ciao djibul quoi ñoo fa c'est tout musu ñam benen paf okay okay you got a question can man yeah est-ce que dina kañ lay décider arrêter ciao li mais ba tégi ni da nga bo bëggé dégg ba légui ni liñ fi wax du ay ciao en fait non, ce que je veux dire moy tu as une façon pour toi de revendiquer de ce que tu problèmes. Appelles injustice avec des live vidéos parce que Disney tu fais qui le sincèrement tu fais trop d'interventions vidéo c'est très rare si de, lorsque c'est nécessaire artiste fi nek yeup yow ce que tu fais en live vidéo amul ben artiste bu ko fi def I'm not doing like they do they keep it hypocrite and I express myself you keep I'm it a real. Man I'm a keeping it real when I have something to say I say it. This nigga is necessary. I'm telling you. Oh, oh, oh man, kay ma xamal la suma don star dama talk di onko ak di tegal tank. I'm not a star, man. I'm an artist. Fala yam ak jamu yalla yi. Rapper la. Suma waré wax ak jamu yalla yi damay wax ak ñom. Ku ci ñew ci sama Facebook. Nga fulal ma ba bind ma dama lay fulal tontu la. Na star yi tegal seni tank. Man duma star. Talent kassa la moy rap damay bind ay rime di joxe ay idée. Ça s'arrête là. Comprendre que fumer est-ce que so suma amé luma wara wax ci vidéo wala ci live damay dem wax ko partager ko avec ces gens là parce que ces gens là sumay def concert ñom lay wax ñew len sumay génné son ñom lay wax deglu len ko donc si j'ai un truc à dire ñom lay dem waxtan ko ak ñom so bu féké dafa am ñuy sam sen image dañ ni yoy ñom la intéressé bu dara déssé luddul rap ku nek xamna kan moy def lan comprendre que fumer est-ce que mais dans la vraie vie lenen li ci dess partager c'est te kay ma xamul ben affaire 95% de mes sorties c'est justifié expliqué explicable que ça soit mon nek ci ngour gui que ça soit mon nek ci période ou élection les imams qui font des trucs chelous que ça soit mon nek tu parles de la vie en général voilà, you know. Yo, killer, you a problem, man. You a real, I'm a real motherfucking problem, my nigga. This nigga necessary. Don't be wahat sama kwa. Killer, is kan nangunga ni kadanga meti. Kamu gatanya next time buah kamente sini. Celui qui fait des sourires et qui fait le masque là, moi ko cool, koko. Mën na cool sax mais la plupart ñi koy play ay hypocrite lañu ay play nit yo xam dañu bëgg ñu delu leen ki dafa cool ki bëggul ciow ki dara di ki dara da Sénégal dafa am ben patch bo xamanteni ni man je dis que ni patch bu gëna yaatu ay nit su dëgg lañ quoi bëgg nañ nit ko xamanteni ci dëgg ngay dox so am lay wax nga ko ta bokay wax do leen déranger mais ça c'est la majorité hein moi je dis mais il y a une minorité d'hypocrite yo xamanteni ni buñu sañon ñepp non lañuy def tu fais des sourires tu fais le beau tu nana you know mais comme ni ñi wax xam ba ca c'est à dire que non mais yima wara bay yow kérok yiñ togué fi yima junj yépp est-ce que mo ko dégg mo wax ko ay non man est-ce que xam nga ni j'ai des noms ñun garaw ñun dañuy comprendre est-ce que xam nga ni j'ai des noms par rapport ak suma wax ak yow bien sûr donc motax man dama am jaanu biir xam ba ca xam nga fi may xé bu baax amna ay nit yo xamni daño taxaw fénal ma wax ma ay wax te ma ngi leni gis xamna len ma bay len ci biir xam nga fum lay xé est-ce que so du question que man duma play ay affaire hypocrite xam nga lay wax gaay yi di play ñu bëgg ñu né non gaay yi ils passent leur temps à parler ci souf sen frustration dañ koy neub di jëwante ak di bañante man doxuma ci yoy man damay def lima wara def ñima wara post dam leni post ñima wara wané dam leni wané ñi gënné dam leni partager ñuy def dam j'essaie de me comporter bien avec tout le monde mais lima dul def moy joxé benen nit budul man pour me plaire nit ñi pour ñu né dama cool pour ñu né dama num tudu civilisé wala yu démé non man ci bir lobby la bok ci meut bi la bok ci meut bi la bok man je dis mes choses lima wara wax lay wax nima wara taxawé lay taxawé et puis parfois su fekkone sama image lay sam wala sama réputation damay nopi parce que buma nopi won amna yenn critique wala yenn remarque xam duma ci fekk parfois je me sens obligé de parler de faire des sorties parce que jamono da tollu fo xam si ni si on était 100 soldats les 95 dañ ko lem ba mu ron ñu dox comprendre il ne reste que peut-être 5 soldats yu am fitu wax ku ci nek yaay xalat ne suma waxe li dana ma ci fek suma waxe li dana ma ci fek te on a une génération bo xamni life dafa deung am fu mu tollu chaque jour amna ben affaire bu ñew pour égarer len complètement donc dafa mujjé nek mew bo tek ci tal
situation bu ñew bientôt mois à dire pour aider ñi nga mëna aider mëno aider ñepp mais au moins amna ñulay xol comme sentinelle wala comme repère nga wax leen de man li ni la ko gissé que ça soit mu nek un truc politique religieux chaque fois del xol affaire religieux bu amé may ñëk publier parce que bëgguma ap mouride bu saga tidiane bëgguma tidiane bu tonto mouride bëgguma frustration donc je suis là j'écris tous les jours preach to that. Comment le faire, est-ce que c'est le chaque jour, nous, il fait des points. Ni là, il fait. Moi, je suis un team qui a beaucoup de frustration, de gagnant, d'injustice. Ça m'a dit que c'était une mission. Je suis un peu de solo, ça m'a son musique qui m'a dit. Sauf que je suis un peu de solo, je suis un peu de solo, je suis un peu de solo. Alors que moi, si je partage, je suis un peu de solo, je suis un peu de solo. Mais 95% de la musique est décédée. Attends, Wadi. Mais nous avons bloqué ce mouvement. Parce que nous avons cassé, nous avons cassé. Nous avons bloqué ce mouvement. Moi, mouvement. Il faut me poser des questions avant de me faire un parce que vous avez une réponse là après. On se connaît. Mais nous avons aussi. Wadi. Mouvement, il faut me faire un mouvement hip-hop. Mouvement hip-hop. Harul Yana Mar, Harul Nitu Deug, Harul Mouvement bi Fata bëggon def. That was something. This is damn. No, I very I you know, come on, man. Mouvement bu taxawone. Mouvement bi mo bok. Boko 313. No. Mouvement yi mo bok, yépp ay jéxantalu mouvement yi pop la. Mouvement hip hop moko djour mouvement hip hop mo djour Yana Mar mo djour lol non Yana Mar man je salue idée bi comprendre nga ak combat bi mais xam nga la mo tax bëgguma mo se teju ci ben affaire parce que avec le temps da ngay ragal affaire bi am nu mel am direction bu mu djël am lo xamanteni mën na yak yow pureté sa combat parce que aussi groupe bu amé sa bop kasse nga meuna watal meuno watal ni ci dess donc pour nga sam lol non li nga meun rek moy nga push ben affaire mais yow nga garder en tout cas li nga xamné am nga ci contrôle muy sa bop man sa bop man xamna ni meun na la tégal Kamil né sama engagement c'est désintéressé c'est patriotique lepp deugul bo indi Kamil mo watal lako mais meunu mako watal kanen meun nañ ko watal sen bop comprendre ni fi wéx donc mouvement yi am yépp damay support buma ci gissé sa bop damay critiquer bu critiquer joté wala parfois mo nopi dal di abstenir par rapport ak yenn yi mais tay ji suma ci dugone je pense avoir fait les bons choix tay ji mo ci dugone di nga gis tay yenn wax yu amone dina bok ci ñimi dal parce que dama wéx donc wala dina ci am ben positionnement bo xamanteni xeyna yenn dina ma influence ba mu am benen taxaway mo taxay bo xamanteni dana am lu mu yak ci sama taxaway et je pense avoir fait les bons choix mais en tout cas c'est un mouvement que je salue j'ai pas toujours été d'accord avec eux je ne suis pas d'accord avec eux et j'ai toujours eu la sincérité de le dire. Comprendre. Mais dans son ensemble, je salue. Okay. C'est un moment qui a un mouvement d'ailleurs, Nizou Degue, à qui c'est des siècles. Okay. Kille, mignon de ta carrière, est-ce que tu es satisfait de tout ce que tu as accompli depuis 2007 Bali? Satisfait, c'est serait trop peut-être prétentieux de le dire, mais en tout cas content content parce que aussi on a quand même fait pas mal de choses te mbedd bi geureum nako tu vois te lolou lu am solo la ci man su mbedd bi contané su mané mbedd bi moy le mouvement les gars de la rue les authentiques gars yi ko bëgg xam tamit vrai quoi la plupart du temps ils me respectent bëgg nañ luma def respecté nañ sama parcours ak effort yi ma def ak lima jottu genné que ça soit mu nek ci album ça soit mu nek ci ay concert mu nek ci positionnement buma taxaw pour hip hop ak yu démé non tu vois et aujourd'hui si on a parvenu à faire 5 albums si ben durée bu goudoul trop def voilà def des tournées nationales plusieurs fois maintenir Dakar bi ba mujjé nek rendez-vous annuel bu ñëpp di play comprendre nga bolé ko am ben certaine constance ci limay def album bu ñëw gaari kay apprécier musuma def album ñu mo bi mom dang ci nelaw comprendre nga yoy yépp suma ko défé quelque part xamna ni yalla jappalé na ma damay sante yalla bu baax tu vois je me dis ouais, quand même ça va quoi tu vois mais je prends pas les airs arrogantes de waouh tu vois xol sama bobo pour dire que ni wa tok na fi non non, lima bëggone ñëw fofu pour continuer c'est voilà, comment déjà xam nga tu es arrivé à maintenir ce bar à ce niveau là xam nga bëgg ñëwé ba légui parce que amul ben instant bo xamne dégg nañu ki le flop. Ouais.
Bah, je pense que artistiquement. Artistiquement, waouh. Justement, l'un de ces là revendique moi artistiquement. L'un de ces déceptions nul. Marketing, commerçant, moi y'a une boutique d'art où y'a des gens pas bien. Mon audience. Ça oublie mon nerf, mais je suis pas un bon vendeur. Peut-être qu'on est accès défaut quoi, tu vois. Ouais. Moi, je suis pas un bon vendeur. Et j'ai apprécié. You know how to kill a show. Yeah, that's my all nigga. Yeah, you know. Sans règle là. Corona. Corona. You know. Je pense, Whitey, dans mon monde, comme il y a un gars, boxe, right. C'est un couple, Jilly Gardat, Basketball, Purpose, Rex T. Ce sont des vrais rappeurs, des MC, yo xamné ci ni internet de foulen. Soit quelques likes partagés, voilà, quelques sponsorisés, mu jël ben xam nga ginaaru yafal yi quoi, day gaaw reuy. C'est pas ça. Non. Donc on est comme si ben ñoo ñu kessé attends, amna yenen tamit boy fi nek yi def lu clair hein, c'est non mais ça de fait il est comme d'où vient li ngay wax ni. Ah OK. Il est comme ces artistes là, ñom tane du net qui ont arrivé à ce OK. Voilà. Mbappat la. Yag ci ben affaire bëgg ko te muy dëgg nga koy ti bëgg xalé bu ndaw nga nga jox ko gëdd bi nga wara jox xam nga légui ni moy lu ma lay wax ginaaru 45 jours da ngay def taf taf rek mu mag ngani matna alors que ñun li tax man personnellement mo mëna justifier loolu li ngay wax ni moy c'était chose bi da nga ko done jox passion bi ak temps bi ak énergie bi que ça soit mu nek bind bi répétition yi nga dan def maîtriser des textes jouer en live moi un vrai rappeur underground quoi you know jël ce temps donne am ay grand bo len gissé do meuse teukel sa bop ak ñom tu dis que ni bëgg na ag un jour fa nek aujourd'hui tu sors un truc il y a pas de hiérarchie tu sors un truc tu as 2-3 likes tu es le king dalay ray internet gangster mais mots dalay ray néna sen couronne bi ñi xëccio dina teej j'adore te kiffé. That's internet gangster. Ouais, ça j'ai kiffé. Yeah man, that's internet gangster man. I'm telling you. Xey rek nek king lañ. Gis nga vécu dafa bax. Hmm. Ouais. Comprendre nga, vécu day feñ ci sa authenticité. Toujours ak ci sa. Day feñ ci say œuvre. Ci say œuvre. Ku la déglu day xam ka di du ab livre bu ñu indi ni wala ben affaire day xam ka day feñ quoi, you know, lolu roule la quoi, kenn mënu ko expliquer. True. Donc lolu motax man la peut-être temps bo mu ñu def. Don dem di def ay concours freestyle. dem di jouer type Amine Ba tu jouer ci define bu doy war quoi yo xam ci rien n'est complet lepp da ngay à l'arrache ngeen koy defé ngeen xaar jël sen temps yek ay podium ay milliers de podium yo xamanteni ni you know lolu dalay def rappeur pour de vrai dalay def rappeur ba bis bo démé officiellement nak nga commencer def des choses de manière officielle day nek lu la yo man suma la waxé numay bindé sama texte yi mais wallahi bilay. Là, j'ai un produit qui est un parrain, mais nous m'a dit, le gars avec qui je travaille, il rigole sur la tête de ma mère. Je lui dis que son parrain, il me dit c'est impossible. Tu comprends, tu vois? Je lui dis que son parrain, il me dit, À ne plus refaire ci ce parcours li nga jotta def lo xamantene tay si c'était à refaire ngena do ko def lan lay do baru ben wañu bi fi hein baru ben wañu bi fi wañu ko non moy ni def non lolou moy ni def wañu bi non man luma def ci ay côté yu bi fi ak yu mel non donc regretté wu ma ci dara parce que lolou mom il fallait le faire. Comprends que après tu n'es pas même classe n'importe où tu as jamais répondu si j'ai ma façon de le faire aussi à toi mais moi tu me dois dire mais ma kine est-ce que xam nga li gëna neex si live bi lool la si hip hop bi
moy xana xamo li gëna yomb ci hip hop moy mu ñëw rek na la assi sa casque ak sa foulard rek cong la loolu li gëna yomb ci hip hop xam nga wax ni mi pafa da ngay jël wax bi nek pikine yobbu ko medina te yow lénéne ni mc bobu dégg na ni mom ngay wax loolu li gëna neex ci aduna li gëna neex ci aduna moy li gëna kawé moy li gëna mbot li ëpp mbot moy il faut savoir faire les choses avec subtilité bo amul brand do ko mëni bo and ak euphorie ak ak nga mm. parfois da ngay daanu sax ci ay rachantal rachantal moy yi ñi defal pitti yo xamna mo do xam say sama olof xotul nonu torop way amna moy ma xam de no so affaire yoy day am quoi mais la chose la, les choses à ne pas refaire la chose voilà les choses les choses. Non il y a eu aussi ay non bon en fait man la chose là là il y a mon bari non la chose je veux dire un truc la chose bi gëna graw ci sama carrière c'est avec basse moy di gëna graw même si su féké amna des choses yo xamanteni amna quoi yo xamanteni you know mais avec basse avec ma réaction avec ce que cela a entraîné avec la relation qu'on entretenait avant et qu'on a maintenant lolu lay nek ben tâche day nek toujours ben tâche même bo xam duma ci fier te daf may joural kersa aussi parce que comme le molo amna yu lendem dal yu lendem yo xam ci ni c'est même inavouable mais bobu moy nek sama pire erreur bo xamanteni si c'était à réparer mon ngay gëna réparer ko mëna défasser ko féké basse si scène bobu non je lui fais un câlin à la place de give him a pound now we hug you a hug man yeah. We brother man that was just a mistake that was just a misunderstood man c'est quoi ta relation aujourd'hui avec lui he's my man now, you know some gangster man some OG man then you dig into si jamu et je l'apprécie quoi tu vois je sais que c'est un gars bien je sais que c'est une grande gueule c'est une grande gueule c'est une grande gueule mais au fond dama bëgg nit bu am diiné quoi amal nit bo xam ci malgré le succès malgré les tentations tu es resté attaché à des valeurs et des trucs comme ça lui il est comme ça il est très familial il adore sa mère il s'occupe bien de sa fille et tout il a montré que c'est quelqu'un de bien et ça je respecte ça tu vois et Boulou Louesso aussi tu vois il a pas de rancune xol bu na islam parce que je pense pas que limoko dundou y en a affaire je pense pas que si c'était man duma am une envie de vengeance voilà comprendre frère je pense pas wallahi billahi il faut être fort parfois aussi pour dire amul problème ñoo far bal na la non lolu graw non lolu lañ ko faté il faut être fort pour le dire tu vois bien sûr et je trouve que il a en tout cas man quand je l'ai vu xam nga ba mu ñëwé au grand théâtre là ci show of the year I was like wow this is like a $1 million picture lolu fa nay c'est vrai à un certain niveau de ta carrière il faut nga am habilité ou mettre croix sur certaines choses c'est vrai. Ah mais c'est humble aussi de sa part de le reconnaître ici de la voix et tout so, ça prend aussi non hey, ça demande aussi du courage de faire ce qu'il fait là bien sûr parce qu'amna ño xamantene reuy mo len sonal non reuy dalay sonal quoi non reuy baxul tu nit du reuy ça reuy dalay sonal et puis dalay ça te rend faible quoi en fait c'est clair parce que aussi à la base comme nous mako waxe kéro damay déglu sama serigne mune balal ki la togn tay balu ki def li moy ka falu fan lañ bëgg falu ñun ñep fayalla so mom mo xam lepp quoi bu fekke tu es faible mom xam la su fekke da nga bëgg ngeureumam mom xam la su fekke ne da nga bëgg won ko ni man duma dara simple jam kassela chaque jour ma togn la you know nga bal ma kon man buruma top son borom jam yi di xamane fi waxe jaayante bobu nonu ki nga wara rendre ay compte ki nga bëgg mu satisfaire sa bop yalla la ak sa bop yu démé nonu quoi après ku neex mën nga ko interpréter nous le neex yow la bu la neex ngeen jambi dafa faible tapette la ya xam mais yow au fond xam nga kan yi da nga tok am lo deg te lolou serigne di jarign talibem day wax nga deg ko nga changer par rapport waxam bobu nonou quoi et je pense que ouais c'est bien comme ça qui le thème say album yeb selon toi bo naré résumer les thèmes les plus abordés de tes albums
Je déjà combat en tant que MC. Mm-hmm. Je dis pas rappeur, MC là. Mm-hmm. Je parle en hip-hop. Yeah. J'apprécie parce que il y a une très grande différence. Il y a rappeur, il y a MC. Voilà. Pour dire que en tant que MC, les thèmes les plus abordés de ta carrière, à quel moment ce combat objectivement. Parce que là, je veux que tu aies un album quoi, vite fait. Okay. Non, en tant que MC, ce combat, je pense que mon mot transfert au killing est moins lightning. Ce combat, moi, stand for something, stand for my people, stand for the young generation, stand for, you know, ce principe, le mode comme si life, lui demeure. Et si je veux faire des necks, si je veux faire des bagnes, il faut que lui demeure. Vous comprenez? Moi, je veux dire, je veux dire, et ñu baña melni comme yene il faut bi ni mel manam promote simé ko tatou nen promote affaire ou djel wine man di dem club ñu baña promote lolu quoi ñu gëm que ni war nañ mëna have fun tout temps ñu garder suñu limite man lolu la gëm mo mësa nek sama combat ci bop war na am na yene clash yo xamni lolu ma jural quoi you know so sama mission ci hip hop pour man lool la moy ko djem ko magal aussi djem def des choses yo xam ko gis dafa dañuy naw quoi nga ah hip hop gal sante mon nañ fi def nañ ni def nañ la mu djem ci sama kem talay katan quoi so amna yuma try amna yuma réussir amna yu bari yuma bëgg réussir après et puis voilà sama item je pense que yi ëpp moy des thèmes qui parlent à la jeunesse ñu leen ni dolé djom ñu leen ni dolé gëm sen bop malgré situation bu difficile ak âge bi ñi traverser ak les questions qui viennent ak les doutes avec l'envie de baisser les bras, de se sentir marginalisé ou oublié par la société et par le tout ça. J'aime trop parler de ça pour leur dire que ni yalla rek mo fi nek geumal sa bop woro don dungouman et puis j'aime travailler ci sen caractère eulek quoi. Donc so xolé sama texte thème yoy lay ñew le plus souvent lay ñew moy thème yu mel ay super ay giantel ay life look gun you know c'est toujours des thèmes yo xamné fokh ma life tout ça yeah c'est toujours des thèmes yo xamné sama album dong ko ci fek parce que damay bëgg toujours aussi non ben comme ben grand frère wala ben tonce bo xamné lu muy wax neubay ak petit frère boy da ngeen ci genn you not a loser juddou wu len pour nek ay ñak ay ki ay perdants vous êtes des gagnants continuer en sen jang wala monuger geumal ken bis dina ñew ku teud ya ko defral lal comprendre il faut ma jox len lool non quoi ci album dos bobu non d'ailleurs ci sama projet bi ñew sax amat na ben bu mel non tu vois et puis voilà bobu day ñew souvent wax ak aussi position pour askan bi par rapport aux dirigeants yi moy le côté vraiment dénonciateur ou prise de position et tout ça c'est des thèmes yo xam ci day ñew souvent et banen bi nga xamanteni ni sama tient à cœur aussi moy parler d'Africa parler de panafricanisme d'unité des africains dire aux noirs de gëm sen bop jël sen couronne xam que ni boudé ay repère la ay nit ñu wara ndurul ñun ñak ñu Cheikh Anta Diop Thomas Sankara et autres j'aime dans tous mes albums rappeler affaire bobu non affaire où on doit pas juste être ceux qui créent les danses les chansons ñu daq solo ñu daq dépenser ci ay dal il faut aussi ñu am banen façon africain quoi so waaw thème bobu day ñew souvent ci sama album dama ko bëgg tellement am album yépp la amul bu mu amul tu vois donc du coup je pense que yoy bok na thème yi may gëna développer même si aussi il y a beaucoup d'autres thèmes yu large yu ibéku mais politiquement parlant socialement pour la jeunesse et tout ça et ce côté panafricain aussi ça vient beaucoup aussi sur mon album. Ouais. Est-ce que tu peux là toi tout à l'heure tu as parlé de du prochain truc de Beast. Beast One. The fait I'm 2-3. Yeah. Yeah. Ok. C'est quoi projet de freestyle? Ouais, j'ai pas trop. Non, d'ailleurs, exclusivité. Moi, je suis. C'est un album, c'est une mixtape. Non, c'est un projet. Bon, comment t'es signé? Je pense que gars yi bëggone déglu killer namone killer wala ñu bëggone am en tout cas lu bëss ci killer am lo xam ci ni mën nañ ko cons en attendant ils seront servis sincèrement parce que c'est complet il y a tout ce qu'il faut pour que ñi bëggone killer continue ko like ñi ko bëggone découvrir ñeu like c'est un projet de quoi un projet de musique délai la roba nga xam
Dans la stratégie, on ne veut pas trop, trop parler de ce sera quel format et tout ça. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est du lourd. Là, le monde, je peux le gérer. Là, on aura plus de 200, 300. Je ramène des signes pour niveau là et que les gens n'aiment plus des projets où il y a beaucoup de son. Et moi j'ai du mal à faire. Tes projets se passent comment? Tu enregistres une cinquantaine ou une centaine de sons après vous sélectionnez ou là dans les carrément ok j'enregistre ces sons pour ce projet. C'est ça. Lingomudi ewa. Okay. Je ne fais pas des sons pour faire des sons. Quand je fais un son, je me dis que les lyrics sont bons. Exactement. Donc, tu es fixé sur ce que tu veux. Moi, après, j'ai un problème au choix. Quand tu fais ben l'eau, des am you léger, you how bar, you bar. Tu te dis que après you bar, il a eu. Comprends? Mais moi, dès que je fais un son, à la base, je me dis que ça c'est un truc pour me servir gars du projet. Donc, je donne ce qu'il y a à donner quoi. Donc, je donne le meilleur. Donc, c'est comme ça que je bosse en général. Ok. Kira, tu penses que la langue peut être une barrière, tu y penses? Quelque part oui et non parce que oui moi dina le xawa quand même tej ci ben côté parce que y a ce complexe là de supériorité bu dali aduna bi quand bo demé ci français di rap bo nek américain duñu xam ben mot ci ni ngay wax lepp luñ lay wax rek moy c'est do parce que xam nañ que ni flow bi mi ngi fi voice bi mi ngi fi comprendre mais bu fekk africain nga bo défé lu nice ñaan la ou c'est dope mais je comprends pas ce que tu dis y a ce complexe là tu commences à dire mën nañ langul américain yi dope mais xawma li ngay wax mais duñ ko nangul africain donc c'est à nous aussi ñu deugal suñ bop comme quoi que ni yamal ci dope bi parce que ñun aussi parfois ñu dégg ay son français yo xamni c'est tout en verlan ñu apprécier ko te buñu xam le son bi wax dañuy wax rek ou le gars il est bon parfois mo am ci ay termes yo xamni xamuñu sax lu muy wax ci comme en dire donc exactly dañuy xol énergie bi flow bi présence vocale bi yo yep ñu né ou gaam bi dope na tu vois mais il faut que ñun aussi ñu konni deugal suñ bop rapolof wala rappel wala wéré wala mën ta non dafa nice gaay niñ koy défé dafa nice niñ koy téggé dafa nice sen langue bi dafa neex rappé donc buñ ci rappé paré buñ la ko joxé c'est à toi de bo néké un expert wala un passionné nga dégglu flow bi ak énergie bi nga apprécier ko point da nga bayyi complexe supériorité bobu de dire ouais affaire bi oh le gars là il rappe mais malgré je comprends pas ce qu'il dit il kick bien en général lool moy compliment yi ngay am comprendre et man dam koy bañ toujours je dis juste que c'est bon si c'est bon tu me dis que c'est quelque chose de bon si c'est pas bon tu me dis que c'est pas bon mais ne me dis pas que y a ça mais bon après côté bi nga xamé ni la motax may ré ba ko nane c'est do parce que fi dafa nek ben expression bo xamné c'est au quotidien ouais ni gene ni gaay amuñu honnêteté ou wax la ni soit son bi dessna wala naissou man nek when this shit is whack it's whack it's whack that's right lol la don wax ak il faut le dire mais gars yi ko yene son dama no ba ci lo reaction bi sa son bi ou dope c'est ça le problème aussi da legui dope day dem ba ñak da ñak valeuram lol ba xam zoukana ci ben live time ma laaj lu ñu wara yop Ousmane ko objectivité quoi. Une personne peut te dire, je pense que tu as le job à son bien, tu as le bien. Une personne peut te dire que sincèrement, je pense que sur ce son-là, tu t'es loupé, tu t'es raté sur ce son-là. Tu remets ce bob en question. Un DJ, il a la sincérité de te dire que, fille, tu sens, il a dit que c'est son dope, mais puis on a l'impression que tu t'es un peu laissé aller, tu vois. Le DJ pense même que si tu es un mère, c'est le DJ qui vient pomper le faux agul. Il y a beaucoup de gens qui ont pour nous agulé. Quand tu les écoutes musicalement, tu sais qu'ils sont agulés. Des fois, qui m'ont fait faire intervention, mais il le faut, on a besoin de ça. Ils sont là, non. Pour nous agulé. Parce que du ay djenté ay naxanté mo ñu yobu ci kaw gis nga fi dañuy gis ko xam ni il est moyen ça passe quoi ñu jël ko jox takal ko galon yo xam ni atanu ko day dem ba pour mu indi wat produit sax day am du problème parce qu'il a trop de pression il doit être là-bas alors que affaire bu neeku fa alors que y a trop de galon par rapport ak mom son talent tu comprends ce que je veux dire je me souviens ba may nek RDV je faisais mes émissions il y avait des MC yo xamantene dañ lay yodé ay vidéo yo xam nañ koy sétane ñene yow like
Du coup, je faisais mes émissions en disant gars, xamou len dara dem len jang. Automatiquement j'ai été étiqueté du show comme quoi que ni gawuma rap gal sen wala dama len di toutil wala dama len di manquer respect. Wax bobu dafa am ñuko momo. Parce que c'est des artistes gal sen qui m'ont fait. Si j'ai traîné avec des gars comme Dougiti, présente quoi, et tourné album mu gëm bu mu génné. J'ai fait des soirées avec DJ Maka, j'ai fait des tournées avec Gabio, j'ai fait des tournées avec Daredi, j'ai fait des tournées avec Mix ak ñeen ak ñeneen ño xamanteni fi avec xam nga Pendra avec en fait beaucoup de gens n'ont pas compris et lima metti moy avant que je comprenne que gars yi ndek li lañ ma méré, c'est des années après. Ouais, pour dëgël li nga wax man ci jamono buñ koy ñaka comprendre la ko wax j'ai l'impression que ni da ngay tek di kañu rap gal sen quand tu mets des rap kan nga li moy rap gaay jangi len ganima yow leral le bokko ci ñi tax may wax yow ak say morom yiko mën li suma koy wax gaay yi nelaw ci mic bi ñoo tax ñi makoy wax te lolu je le valide wax nga mako ouais et puis c'est ça aussi te manke fa bama la fay wax c'était je pense qu'à la sortie de l'album de Bouche là bañi dajé Si Plaza voilà ci bolé c'est vrai waaw ci ginaaw waaw fofu lañ dajé on a parlé vite fait pour finir langue bi mën na nek barrière parce que mën na la restreindre quand même parce que il y aura toujours ces gens là yo xam buñu xamul lak bi dañ lay jappé ben africain buy wax ay langue yu xawa compliqué donc côté bobu rek la quoi mais lén li ci dess pour man sa lak bi nga yor musicalement ak techniquement ak lyricalement ak skills yépp mën nga ci liggéey lo xamanteni ku nek ci aduna bi mën nako déggu enjoy ci té du nek problème donc il faut nga mën de temps à autre lal touti anglais lal touti français mais nga def ce maximum bi yep poular wala wolof wala rêve pour valoriser kanis c'est là bas que je voulais qu'on parle par rapport aux finalistes du Flow Up le mec qui a gagné les 5 millions mis à bien yeah, il est très bon quand tu l'entends faire des lives tu as l'impression qu'on est playback les jouer parce qu'il maîtrise il maîtrise oh lolo xam nga ñun man lolo dama ko like motax bo day xol da amna benen groupe poular buma indi won ta man j'aime bien lak bobu en rap tu vois amna yenn ben gars bu underground bu indi won aussi tu vois mais numuy rabé poular parce que poular dafa nek lak bu neex rabé ci gaay ko man mais bo deglo visa bi muy rap tu sais que ni ñun dañu war di def yu mel non parce que quoi il s'appelle le truc mandiak là bye Mike. Wow. Tu comprends que le gars il a pas besoin de rapper wolof wala anglais pour wone ken def man rap tu comprends j'ai eu une discussion avec Grandmaster Caz dans le restaurant de T. Deans, le père de Swiss Beats à New York à Harlem. And you talk di waxtan ma tegal ko yenn son cypher yi déjà xam la ko ñëk tegal sax dama yo I don't understand shit of what they talk about but these kids are crazy mu ne c'est ça qui fait la diversité la beauté du hip hop c'est-à-dire pouvoir rapper ci benen langue bo xamantene yow bokul ak yow lak bi ngay lak yow ci fi ci dëkk bi nga jëm et c'est ça qui fait la beauté du hip hop tay bo démé chinois yi malgré que personne ne comprend ce qu'ils disent à part ñom mais when it's dope it's dope même bon après le problème bu ñuy jël rek moy parfois à force de vouloir accaparer les trucs aussi mën nañ ko dénaturer sama je pense comme li le koku wax rek énergie bi ak flow bi ak style bi parce que mouvement la bu am ay normes yuñ xamé internationalement parlant donc on n'a pas besoin de dénaturer ko na gaay baña yak rap bi génération bu nek jaar na fi am lu mu joxé mu nice gaay jël ko diko yobbu diko voyager fune gaay diko apprécier tay boko yobbo aux États-Unis diko rap gaay liñ same thing lañ lay wax def wow nice kon bu gaay démé bayyi suñu boss né dañuy dem jëli boss ñom Mbalax Mane bayyi ñun biñ mom pour dire la vérité Mbalax Mane dañu am rap Mbalax Mane buy rap musoko gis ñoo ko gëm seen bop wala yow tax nga dañuy bayyi seen non Mbalax Mane dañuy Mbalax seen musique lañ nek diko jël pour lui ñun ñoo xép suñu bop dem di boot ci ñom di def musique bo xamanteni presque tassu la wala nga jël ay bitu Mbalax def ci rap parce que rap mën nga ko tek ci bit bu la neex mais dañu am ab culture bu aduna bi yépp xamé wa France diko défé non wa Allemagne diko défé non wa Chine diko défé non mu nek lu universel am ay normes yo xamné fum né kak ñepp xamné li hip hop la à force de vouloir être créatif on finit par dénaturer la chose et ici les gens dañuy dem ba dañuy commencer draguer le public Mbalax les gal yi leni statue wala des choses comme ça ak buzz bobu mo nam autour de tout ça jaral na len ya beaucoup yo xamni ñi ngi dénaturer wu TikTok maintenant ça c'est leur façon de vendre parce que dañuy def son bon tamit ah mais lolu mo xey ray aussi lolu mo xey ray parce que moy luma la wax rek xam nga bu fekke kan ni bu fekke kan ni vendre lañ def suñu bop tout le monde sait que ni bo nek ci ben deuk bu mal Sénégal ouais mais on peut vivre du hip hop aussi je veux dire un truc il y a beaucoup de hip-hopers yo xamanteni tay ñu ngi sante yalla ñu ngi dem fepp ci aduna bi bam jural len yenen business de jaay ñu sen musique de naturel mais je ne les défends pas mais genre je veux dire dans le sens où ils sont libres de
apporter des choses you best de Xam nga le problème qu'on nous dit moi la liberté. Non, liberté ça c'est trop dire, mais c'est juste qu'il faut savoir évoluer avec le temps. Mais garder ce que tu sais, c'est la base. Nature, la base. Oui. Parce que si le gars est venu le faire, d'ici 5 ans, hip-hop n'est pas là. Ce serait dommage de perdre ce qu'il y a. Parce que l'histoire que j'ai eue, on peut aller dans un instant et faire ça. Je pense que c'est un créatif. Il faut le lire. BMJ et Samba Puzi. Ouais. My Bondi. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est son nom? Non, dès que je suis dans son intégralité, il y a un extrait là qui s'est. Excellent, c'est la vérité. Depuis mon soir, excellent. Tu vois, les gars, ils ont fait plagiat ou je ne sais pas quoi. Mais bon, moi, ce que je On va dire que les gens, c'est une game avec nos faux. Qui ne va jamais atteindre peut-être limite. Je vais te dire un truc. C'est des petits frères qui ont ramené. Je n'ai pas trop envie de les juger. Ok. Moi je pense que nous l'ancienne génération avec les anciens vraiment avec la middle school on doit avoir toute flexibilité du son et jugement par rapport à Jeunesse Bobo parce que génération Bounek avec sa caractère avec nous dans le live quoi maintenant avant nous une génération c'était des connaisseurs c'était vraiment qu'il a été le mot le gars camera donc du coup il peut te critiquer te boire tes yeux dans le cœur monawar parce que faut le son état d'esprit tolon tu vois la qualité de nous comme connais plus nous aimons plus il y a une intégrité à authenticité dans qui adonne en politique en série il le dit c'est une authentique des wagner donc pour transférer au musique on sait que ni il y a une génération qui a comme ni il a tant que son génération tant que l'entier walou ay normes yo wara respecter ay principes yo demé ñom ils veulent juste du fun un truc bu dal sen nopp mu bénsu len ñu yëngatu ci ñom loolu lañu bëgg donc ñun erreur biñu warta def moy ñun niñ mélon fokk non lañ ñi wara mel day indi ben conflit de génération té duñ mësa dégo donc liñ mëna def rek moy suñu leni critiquer mu dem des critiques objectives on peut ne pas être d'accord mais on le dit avec la manière pour ne pas les offenser parce que yoon lañ nekk ñom. Et à part, il y a des sons qui sont nerfs, ils font des sons qui sont nerfs. Une fois, j'ai dit que j'apprécie Samba Puzi, ça ne veut pas dire que les poulons nerfs sont nerfs. Mais depuis que j'ai fait Kalam et tout ça, c'est un son que j'ai trop kiffé, Kalam, tu vois. Kalam qui est fait. Et quand tu dis ça, il y a un gars qui va dire, non, comment tu peux dire, parce que ce gars-là, par rapport à Nimoui Solo, Nimoui qui est, man, man. Les poulons nerfs sont chez lui. Tu comprends? Comme yow tamit wa. Lepp du ko neex ci man. Mon nom sax que mom neexumako. Ça c'est pas un problème mais moi personnellement là, je disais j'aime bien nonchalance bi muy xawa dawé ak son truc à lui, j'aime bien et j'ai pas de complexe à le dire parce que c'est il y a pas de mal à aimer quelqu'un, à apprécier quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Légui, légui, il est unique. Légui, moi luma wax rek, il faut pas que ñu wone que ni boy ñun ñoo leen gëna ruel, ñoo leen gëna xam, ñoo leen gëna deggu. Day indi conflit. Ko wax lolu rek. Conflit, problème de am. Il faut que nous voyons que on vous supporte. Il faut que nous voyons que on vous apprécie. Il faut pas que nous disions que nous sommes des gens. Si vous voulez critiquer, il faut que nous fassions avec la manière. Mais pas nous voyons que vous êtes de la merde, que vous ne savez pas copier, que vous êtes venu et que vous êtes créé. Si nous voulons dire, nous et nous, le lien n'est pas. Donc pour que l'affaire soit bien, il y a des parce que nous devons continuer de rap, basse, boxe, il y a un moment où on défile l'année, tu comprends? Mais si nous avons un blocage du côté jugement, nous avons dit que nous sommes dans les années 98-99, ou 2004-2007, il y a non gens qui nous ont dit. En 2020, maintenant en 2020, les jeunes ils veulent juste bounce, ils veulent juste s'amuser sur un son qui bounce. Le message, c'est que nous avons un son à la vie de maintenant. Donc il faut nous trouver une subtilité, de mon une communication, véridique certes, mais encourageante quoi. Qui n'a pas quelque chose qui lui dit continuer, mon gars, mon def sen carrière aussi quoi. Nice. Mais on y a une cut quoi, cut bini. Nice. Ouais. Killer is in the building, Point Blank TV. Je sais pas, 12 ans de carrière, 5 albums, autant de sorties. Kham ga, il a représenté tellement de choses. Killer is a problem in a good way and a bad way. Yeah, I'm a là je l'accepte. In a good way and a bad way. Ça je l'accepte. Ouais. Ok, kham ga, mais kham ga, il reste quand même toutefois kham ga, un représentant des opprimés, kham ga, un représentant de la rue, kham ga, un gars qui parle kham ga, pour ceux qui n'ont pas de bouche.
Il est authentique en son genre. Ouais. Même si fait qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur lui. Nous sommes d'accord à 100%. De toute façon, ça l'a permis en tout cas de se maintenir pendant 12 ans. Exactement. Nous avons ils sont venus peut-être en même temps que lui qui ne sont plus là. Ou qui n'arrivent pas à faire ce qu'il fait. Ou qui n'arrivent pas à accomplir ce que lui il a déjà accompli. Ne serait-ce que ça, man today, I tear my head down. Et je suis fier. Et je suis fier de démarrer la playlist au Sénégal avec Kalashnikov. Ben genre hymne national sax la mo la ma ci wara dafaral ma le kiss mi ci CV wo way di non lolu bon en fait c'est quelque chose ko xamantene mais bien sûr c'est-à-dire asi mëno ressentir joie bi ci nek quand d'autres animateurs te courent après néma non gars son bi ko wax mo c'est exclu that was my shit yeah. You know but any lolu dal xam nga moy li nga xamantene franchement je tenais à te le dire. C'est vrai, beaucoup de gens ne seront pas d'accord à tout moment xam nga sur ça. Man mi sax lélé amna yenn moment yo xamné di nga def yo xamné damay tok mené mais ko non mais fi le toguma waxtan ak yow je ne saurais pas pourquoi. Voilà pourquoi xam nga la xam nga avec cette interview là xam nga tu nous as permis en tout cas man assi ak ñi ñu du sétane yépp d'avoir xam nga ta version de fait et tes raisons. Avoir sa version et ses raisons parce amna ño xamantene dinañu gis xam nga sa version mais ils ne connaîtront pas ses raisons. Exact. Comprendre. Ouais, mais arrivé de lui dire et tout comme il fait genre de je me rappelle une conversation qu'on a eu manoko des fois amna yenn yo am tenni ñun ñi la xam dang koy lire do meuna défendre kilo en fait. Parce que on sait que ni voilà buñu jappé ni que dafa dof ni tébé ëpp ci mom dégo li ma la wax ça dire souvent man je me dis mais qu'il est est-ce que bipolaire bien schizophrène mané qui souvent mané su kilo kilo c'est bipolaire quoi il répond à son nom tay day nek nit su mu nek dof man la yow wosko wono. Mais comme je t'ai dit xam nga tant que togu ñu connaître ta version de fait et tes raisons xam nga on peut pas comprendre. LG Diwan Squad, sama label Guns Out, et sama town LG, DK, moi je suis pratiquement, moi sama deuxième town, moi dalal fi, moi pratiquement fi la deuk, sama gars nek si aduna bi yep pendant Torino, États-Unis, fep si aduna bi, kila family man, awma sen fay parce que aussi tay di sama fi defé 12 ans yoy nonou tenir. Ñom ñoma jappalé fulal mo and ak man sumay concert ticket préventi xam nga lepp lu may def quoi. LG Diwan Squad aussi bu LG fan club bi nek fofu kile fu ñu nek ci aduna bi Dakar Sénégal fep ci aduna bi jappalé nañ ma bu baax bama am fitu 12 ans ma jema def dara quoi. Donc le monde du hip hop aussi moy ñima bëgg ak ñima bañ ñep quoi gaay mo xam nga. Je veux dire que c'est une grande famille. Et dans une famille, c'est parfois comme ça. Vous avez des problèmes de jubo aussi. Vous avez des mères, vous avez des tonnes, vous avez des mères. Mais aujourd'hui, il y a plus d'amour que de haine. Parce que s'il y avait toute cette haine-là, peut-être que je n'ai pas accès à ma vie. Ou essayer d'une affaire, sokharaï et haine, pour que je me laisse. Mais si je continue, c'est parce qu'il y a plus d'amour. Donc, tout seul, je ne pouvais rien faire. Tout ce que je fais, c'est dimbal suñu borom la mais nit yi mako séxal aussi dañ ma jappalé bu baax pour que mo meuna accomplir limay def. Légui yi nga xamanté ci ni moy tax aussi parfois ñu né dafa dof bokku na ci yi ma gëna fier parce que ñi wax nit la sax yoy duma intéressé yi wax ni moy dof la ci yi ma gëna fier lay bok parce que dëgg mo koy lal ñak na fekk mo koy lal bañ injustice mo koy lal fayu bañ kula yab sétal sa der mo koy lal et que je préfère mel nonou quoi que tok ci studio di yak deru niti di tumal niti di yenen niti lu bon yeno ma ken lu bon musuma tok fental nit lu bon ken musul dox deg na nit dox mo wax li ci man te tay ji amna liste bo xamanteni ay nit wax na wax di graw ci man ñoñu nonou ken du len deg ñu def vidéo fuñ len caméra bi té dañuy def ben sourire ñene ñi ils sont très cool gaay ak ñu bax amuñu problème fek ñoñu nonou en réalité ño yes meluma comme ñoñu yalla mo melni ñoo. Donc lu mo wara wax dam koy wax lool la fil lool la gis te am plupart la plupart du temps kamikaze lay don budé ci hip hop bi la suma ko waxul kenn duko wax
té buñ ko bayé mu dem mën na yaax ma jël sama responsabilité wax ko assumer les conséquences budé ci hip hop bi la position yi ma def yépp ci hip hop en général lui défendre hip hop là son intégrité son authenticité ak lu koy jëmale kanam mais ci wéy bu baax bi moy sama sortie yi ma def ci hip hop amul ben bu bakané buy tourner à ma faveur mais buy tourner en faveur du hip hop en général lay donne sama sortie ci askan bi c'est la même chose après côté bobu nonou bok na ci côté yi ma gëna fier té si c'est à refaire bala ma ag galé dina ko def awuma ci ben problème moy téwal deug def ay vidéo xamni ça dérange parce que hypocrite ils aiment pas la vérité ils aiment nga lem ko bam rom and ci sen mafia yoy nonou nek sen ben boy wala di len defal ay compliment wala ñu lay defal ay compliment ci souf ci kaw ñu lay exploiter duma def lolu bro man I'm not doing shit like that yeah man I do what I do am luma la bëggon laaj ta relation avec tes fans Yeah, c'est très fort. Vraiment bien, si, il faut le savoir parce que à travers tes dires souvent, on a l'impression que ça a un petit frère, un petit sœur. Nous savons que d'ailleurs même les gens ne bougent que. Exactly, man. Sans papa, nous gagnons, nous bougeons, nous nous déplaçons, nous, savons que nous touchons. C'est famille, nous am, maintenant nous disons que oh, jigen nous aussi am jeker, pareil, tu comprends? Gars, nous aussi am gente ou la dorme ou la wala safane bi ñun nga ñëk wo ñu ñëw and ak yow si dafa dem ba dépasser un truc de j'écoute ta musique tes rimes sont comprendre nga c'est quelque chose de très voilà très très humain et que man aussi tu vois je les prends pour mes frères pour des gars yo xamanteni ni xam nga yalla mo ñu bolé ñu bokk ben way ma am luma leni représenter et que ñom ñumay dolel pour que ma leni koy représenter quoi donc franchement c'est devenu une très grande famille et wétali nañ ma ci yoon bi bu baaxa baaxa baax que ouais ce sont mes frères ce sont mes sœurs mes cousins mais sama ay jigen xam nga et puis voilà quoi yeah yeah in yeah, the man. Building légui je sais pas est-ce que amna lo xamantene bëggon nga ko wax lo xamantene faté nañ la ko laaj like le micro il est ouvert vas-y ben affaire bu ndaw bi mo bëggon ñëk léral amna yenn gaay xamantene ni tay def na ben sortie sortie bo xamantene ni aussi def na ko mais peut-être avec la manière comme j'étais énervé j'ai utilisé ay mots yu xawa insolente pour wax ak quelques boys yo xamantene ni ci Facebook la len gis xamuma fa lañ dëkk yalla xam nako Facebook la len gis ci veille bi dégg na lu ne parce dama len don défendre aussi parce bëgguma aussi ku japp nit di door toroxal y a pas de raison corona mënul ñëw ba nopi nga japp nit ñi yokal len ci ay door pour man gaay di ñu xawon joom ci niñ len aborder door yi ñu len don def wacce niñ ci auto yi comme ni ma koy def d'habitude ma taxaw ne li kenn waru ko def li d'accorduma si nañ bayyi niñ ñuy def jeune yi ay xalé lañ ñi tout xam wax quoi le lendemain ma gis am ci yenen boy yo xamni dañu def affaire bi fort par rapport ak dangerosité faible bi et tout donc ma mer quoi par rapport ak lool non par rapport ak ni faible bi grave ñu joxe ben mot d'ordre bo xamni ñepp dañ ko wara respecter mu am ci ben bloc bu ñew déconné ci lolu donc j'ai agi avec colère wax ak bo yoy ma doon défendre ci veille bi comme quoi que ni c'est lâche de faire ça donc j'ai utilisé des mots allant même jusqu'à accuser leurs parents et d'avoir été irresponsable par rapport à ça tu vois après je parlais de ben bloc de quelques boys mais moi je parlais pas d'une quartier pas en général, quoi. Ni d'une ville ni rien du tout il y a eu des gens yu bëgg jël sen vidéo nit dof parle des jeunes de la Médina ta lolu non c'est pas bien Médina c'est mon quartier les gars il faut dire que c'est des gars qui m'ont soutenu qui ont toujours été là avec moi qui m'ont toujours aidé li ëpp ci sama fan base sax fa la nek donc même suñu déconné won sax jombu na dem di len disrespect donc il faut savoir dire les choses avec exactitude et mo gën ngay wax ay wax yo xamné mën na créer ben malaise par rapport ak man ak des gens je parlais à des petits frères yuma défendre ci veille bi yo xamné yalla xamna que ni xawma sax fuñ de camp je te le dis moi je xam bi may ñew fi taxi bi mom wax fi fan la quoi passe na len ko n'est-ce pas xawma fan moy fan gis na ay boy j'ai condamné le fait il faut que nit ñi bu ñuy wax aussi ñu yamale que ni le gars il a condamné des petits frères yuma gis Facebook bi mais génné ko ci contexte am dat ni le gars Mungi Saga, les jeunes de Médina, ça m'a blessé parce que ça n'a jamais été ça. Et que je sais que c'est compris, mais je tenais quand même à le dire que mou envoie, mou dindi quand même ben voile pour ndaw ndaw bu xawa am par rapport à yenn sorte yuma gis, yenn gaane nit dof,
ñuy wax ñun wa Medina li wa Medina la jamais je ferai ça. Je parlais à ces jeunes là et limu len wax deug la ni mako waxe waru mako waxe nonu mais je parlais à des petits frères un groupe point barre catch yeah. Parole de killer sur Point Blank TV. Hey c'est de deuxième partie bi mom man na man ki est-ce nekul mo dakh première partie bi deuxième partie bi na ma tok et pour le, en ce moment tout ce qui se passe dans le game on va pas parler des clashs mais tu vois qu'il y a des sorties ouais. on élimine l'aspect clash et tout mais mon nous éliminer ouais non mais genre je veux dire c'est ouais. Tout le temps on va vous tourner tout le temps autour de ça sauce, mais mon nous bon il y a beaucoup de clashs il y a beaucoup de sorties il y a beaucoup de sons et tout déjà on est en période de confinement ça veut dire que d'après toi, l'analyse. Tu sais le confinement, tu connais qui nous a dit. Tu sais que tu es à chacun. À chacun sa façon de se confiner. Jean-Philippe. Jean-Philippe et Claude, ok. C'est des potes, c'est des potos. Yeah, non, voilà. Mais moi, je pense que l'effet Bini et l'angoisse Bini, à chacun, quand tu es ce délire, nous avons extériorisé quoi. Right. Je pense que les gens ils sont dans un état bo xamni ils s'expriment pas demuñu ci ay scène ils sont deuyu nañ donc ku nek ak ni ngay exprimer ak ce stress wala sa mère wala peut-être bu nekkon ci en état normal idée nit ñi zen amna yu bari yo xam du xew mais instant bi les gens sont un peu stressés teju bi gennu ñu express themselves demuñu jouer ay concert ku ci nek ta envie de qu'on parle de toi plus personne ne parle de toi parce que il y a xam nga. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis une classe pour le juger et puis je pense qu'il faut nous bailler nous express nous voir c'est self parce que aussi c'est bien il faut aussi me saluer qui nous tout doux site quoi site hip hop que ça soit mon ex youtuber ou les ex Instagram ou rien recherche une idée Google call qui voir pick bi c'est bien c'est ça l'hip hop. Hip hop ce n'est pas que donner des leçons ou parler aux politiques, il y a aussi cet aspect de clash de pic mobi que les mots auront qui indiquent parfois tu peux te planter yo mi ko def mais tu peux aussi dire la décortiquer exactly c'est bien il faut que nga décortiquer ko meun nga djoum comme meun nga am raison à partir de là waxtan meun na ci am clash meun na ci am clarification meun na ci am donc qu'on leur laisse faire leur travail il faut mo am luy def xorom polé ci game bi warul nek rek affaireu joxonté leçon xam nga wala power rek wala rew mais cour du girable toi bi wax il faut mo am ci donc nañu bay boy ak âge bi ñu toll ni ak fougue bi ñu express sen bop ci bir tangor bobu dina am lu bax lu ci genn dans ce négatif il y aura du positif do ñu may dara avant corps on sait jamais. Non mais il faut nous xam aussi par rapport au projet bi dat bi décidé gun ko il y a des finitions par rapport à des mix et tout ça mais inshallah rabbi mom du nek lu yag quoi fin d'année si tout se passe bien après bu nekul ci koor gi ce qui m'étonnerait mu nek ci koor gi ce sera juste après koor gi. OK ouais. Tu as changé ta photo profil Instagram c'est, ouais. Donc c'est quoi le lien avec Ali Mike Tyson? C'est Mike Tyson Charlie. Yeah. OK. Yeah. C'est Mike Tyson c'est vrai. Yeah, il def ay ki dé. Arrête. Exactly. Exactly. I got you. No, yeah, mungi def jobam de. I mean, give me your vote. If I tell you Purpose and Books, who you got? We just talk. Just a play chess game. Purpose and Books. Yeah. God damn. Who you got? Who you got? Difficult to make a choice. Who you got? Both crazy, both lyricists, both well, Purpose plus lyricists, Books plus flow. Yeah. Yeah. Je pense, Purpose, plus lyriciste, plus profond, plus technique dans son écriture. Mm. Books, plus flow, plus mélodique dans son flow. Deja, vous avez le bruit et Ngaka. Who you got? Deja. Il y a un problème là. Non, il réfléchit. Non, mais j'ai réfléchi quoi. Quoi. Tant là, j'adore bien sûr. Yeah. Ouais, il réfléchit. They different, Deezer, man. They different. Nyar ñi ngi choice they different because Deezer il a beaucoup d'éloquence dans sa façon de dire les choses, de rapper. Et il a une diction bo xamni ki gëna teex sax mëna xam limuy wax. Et ouais, lool Yalla may nako quoi.
Et Ngaka, c'est un polyvalent. Il peut tout faire. Trap, rap, des sons émotifs. Ouais, chacun d'entre eux, tout le monde est différent. Quoi, mais que les mom, tu sens que c'est quelqu'un de véridique quand il parle, quand il rappe. Lola il dit, c'est l'Eric Sam, avec sa façon, l'énergie qui est dégagée, je pense que c'est quelqu'un de véridique. Ok. Malakobé. Well. Ash, the best actress divine. Ouh. Old school, new school. Old school, new school. As the best, c'est quelqu'un qui va monter en puissance, qui est en train de monter en puissance. Parce que musicalement, on sait, bon, il a des origines, ses parents musicales. Donc quand on l'entend chanter sur des mélodies et chercher musicalement, tu sais qu'il a un fond musical pour assez boubard, quoi. Et qui peut faire mal, hein, gagne beaucoup. Plus mon groupe, il gagne un public pour qu'il joue dans les. Je pense qu'il donne beaucoup de gars, il joue des musiques boubard, quoi, à l'époque. Donc beaucoup de jeunes, ils me gagnent fier, boy, H. Les Diwandi, c'est la pureté dans la mélodie, dans la voix, c'est la pureté dans l'état d'esprit. Est-ce que Gunou Tigem, tu vois l'état d'esprit, tu vois? Et c'est le lyriciste pour l'art. Pour le son de ce bop, pour l'olof, pour la culture générale. Pour binde, il y a des gens qui sont avec le diagnostic. C'est un malade, il est trop loin, le gars. Donc, il est trop discret, moi, il est trop pur. Il n'est pas trop bling-bling. Donc, but who you got? Bof, old school, new school. Mais fuck it. Bon, les, forcément, les, bah oui, les. I tell you, is Omzo Dalla. Omzo Dalla, bof lyricist. Bof lyricist, mais ce qui est dangereux avec Omzo Dalla. Bon, bof aussi, kham, parce que is aussi. Quoi, quand tu l'entends écrire, quand tu l'entends faire, tu sais qu'il a beaucoup lu, il a beaucoup de profondeur dans ce qu'il dit. Mais ce qui est dangereux avec Omzo Dalla, c'est que Omzo Dalla, il est musicalement intelligent. Son culture générale, il faut utiliser de manière très, 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 très intelligente dans sa musique. Et c'est ce qui le rend dangereux. Tu as dit, pour mon MC, pour être dangereux pour moi, quelqu'un a évité complètement. Ce sera Omzo Dalla. Parce que dans le flow, il a ce qu'il veut. Parce que je peux le découvrir depuis que j'ai vu Bangala avec Lady Max, je ne sais pas. Tech qui son par son, si nous sommes tous les deux, nous sommes il monte toujours en puissance et en maturité. Quand tu l'entends, tu sais qu'il veut atteindre un niveau beau carré musicalement. Et tu sais que Ming Faidem et tu sais qu'il peut le faire. Donc musicalement, Omzo Dalla, il y a un blocage tout le monde. Il y a un blocage tout le monde. Période de mes insolents de guerre de boy de faire parce que c'est sa façon de s'exprimer avant Mouidjel Yon le son là qu'il avait fait sur De Gantan quand il revenait avant Mouidjel Yon lyrical bobo il était cru dans ses paroles dans sa manière de parler avec les sourds les bourses mais avant Mouidjel bobo non tu sentais qu'il était très insolent quand il a envie d'être insolent il peut l'être quand il même n'est que buzz là parce que tu sentais qu'il était une grogne là mais le bobo tu vois mais boy bobo il est très grave. Tu connais musique quoi moi je connais pas parlo ne connais pas mais tu connais hip hop là. Il est lyricalement, tu sens qu'il est à un niveau qui est à un niveau. Je pense que dépasse le Sénégal. Et pour avoir plus de travail et d'appui derrière, je pense qu'il peut aller très loin. The choice? Après Is. Is, bon, musicalement, Is, il est très fort aussi. Tu sens que le fait d'être beatmaker, ça l'aide aussi à avoir des mélodies très facilement. Et. Côté écriture, je pense que ce qui fait défaut parfois, moi, il est trop basé sur le fait de vouloir montrer que c'est un lyriciste jusqu'à en oublier parfois le flow. Okay. Je pense qu'il est plus lyrical, punchline. Je vais vous impressionner dans ma profondeur, dans la façon de que dans le flow. je pense, ouais. Donc, s'il fallait the faire, choice. Je dirais Omzo, Omzo okay. Dalla, right. Les, un dernier, Nix et Gaston. Je rentre chez moi, non, là, il est fou, quoi. Là, non, c'est chaud. Jean, t'es fou, quoi. T'es fou. Là, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes. C'est différent, mais c'est pas différent en même temps parce que c'est deux façons de faire.
ñaari école bi daara alcorane la bi école université ñaar yépp xam xam nga fay jëlé parce que Nix quand on doit parler de des rappeurs sénégalais les plus forts les plus complets les plus lyricistes les plus constants bo djitalul Nix il y a un problème je peux dire autant sur Gaston Gaston bibliothèque là Gaston problème yépp tu sais que la bibliothèque là, depuis 98 exactement depuis jamono yi Kumpa Sen mu expliquer ba légui ni bu lay boko deglo tu sais que ni de 1 yalla mayna xam xam de 2 son écriture ben la sa façon de rapper amul kumay nourol comprendre nga et constance aussi ak état d'esprit c'est quelqu'un bo xamanteni ou je pourrais pas je vais te dire un truc pour moi l'air je ferai pas de choix dama lay wax sen ay qualité ñu ñaar ah mais je dis là il y a pas moyen de faire choix non non both are crazy both are lyricists both are genius and I respect them both man ñom ñaar ñep ay ouh that's the spirit en tout cas de l'émission donc en tout cas content de le kilo et voilà on se retrouve inshallah guy la semaine prochaine xam nga pour un nouveau numéro avec un autre grosse pointure mais duma len wax kan la nak ñu xaar OK ñu xaar so Point Blank TV, Cookie, yeah. Ton dernier mot. Ouais, non, Jadjef, Dylan Begué, de remercier Kilo pour Barra, 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 Barra. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Kilo. Yeah, big up, man. Nice. N'y a pas. Ah oui, cool. J'ai par rapport à ce cadre du dernier, pourquoi? Même par rapport à le fait de parler un peu cru de B-Boy et de Homemaker. Mais, you know. Mais, j'ai quoi, you know. Parce que growl quoi. Keep it real. You know, growl. Show djégolou. Nous qui djégolou dans en tout cas, n'y a pas, n'y a pas, surtout. Ak n'y a pas quoi. Sometimes, mon gars, wak lo, hamne de blesse à inut sans le vouloir. Mais, amou n'y en quoi. Amou n'y en si personne. Yeah. Mon gars, nice man. That was a big pleasure. You def a deuxième partie. Troisième partie. Just to one game. Yeah, all right. Salute. Exactly. Hi. Necessary.